Et bonjour à tous, ici Hugo pour la suite de notre SP sur la Finlande fasciste face à l'ogre communiste. Nous y étions bientôt à la guerre, hein, dans un mois. Et je dis pas non, pas non, ça devait être plus tôt, mais bon. Qu'est-ce qu'il me fallait, Econisil? Opération, ça, il faut que j'attende d'être bien avancé avant de pouvoir faire de gouvernement collaboratif. Ok. Alors la population, mobilisation d'environ. J'ai pas beaucoup d'hommes. 200 d'effectifs par semaine. Ah, ça commence. Est-ce que je peux embaucher des petits navions? Nope. Ah, ça c'est excellent aussi. Étude de survivabilité, à mon avis, ce sera plus utile que... Ça, je veux. Ça, je veux. Ça, très utile. Ça, excellent. Ça, et toi, est-ce que je peux te... Au lieu de mettre ça, je mets un blindage. Ça augmente beaucoup ma défense aérienne. C'est pour ça que je le prends. Ça va me coûter du caoutchouc, mais c'est excellent. Oh, toutes ces usines. Les guns, ça a l'air d'aller. Les avions, ça a l'air d'aller. Les camtars, c'est toujours amélioré. Et toi, ouais, encore un petit peu ça. Que je vais sûrement avoir des problèmes au moment d'entrer en guerre. 1, 2, 3. Est-ce que je peux améliorer? On va faire ça. Et je peux préparer un moment de collaboration, c'est ça. C'est ce qu'il me faut, et 1, 2, 3, 4. Ok, ça va. Parce que sinon, ça va être trop long de faire capituler les Russes. Manœuvre militaire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Prospection minière. Oh. J'ai déjà un bon soutien à la guerre, mais... Ouh, il y a des bons trucs à avoir, là. Jäger finlandais. Ça me donne pas mal de... Ça, c'est pas mal, ça. C'est quoi ça? Vous invitez un mouvement dans notre faction qui tue. Qui ça? Dirigeant de Lituanie. Il est vachement fasciste, c'est vrai, mais... Je peux plus le mettre chez moi, du coup. Il va peut-être se manger la Russie, le con. Attends, quoi? J'ai peut-être fait une connerie. Ok, non, c'est bon. Qui es-tu? Estonie. Que tu fais la guerre à quelqu'un? Bah on peut l'inviter, pourquoi pas? Après tout, si tout le monde devient fasciste en même temps. Et le dernier, laisse-moi deviner, l'Estonie, ouais. Mais qui sont... Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est fini. Plus personne ne veut venir. Amélioration des pioupiou encore. Et après, ce sera le matériel de soutien. Ok, je commence enfin à avoir des gens chez moi. Je vais garder mes sous. Machine outil, excellent. Excellent, excellent, excellent. Tout est excellent. Est-ce que je fais une petite CV améliorée? En vrai, de vrai, oui. Il me faut des avions. Et là, qu'est-ce que j'ai? On va améliorer ça. Bon, ça me servira à rien, mais bon, c'est pas très grave. Est-ce que je peux choisir ma tactique favorite? Je veux attaque bien planifiée, moi. Dans mes hommes, toi. Oui, là-bas. Est-ce que t'as un petit 50%? Ça va. Attends, mais je peux pas te... Ouais, allez, un petit coup là quand même. Ok.
chose. Vous aussi, améliorez un petit coup. Vous, bon, pas trop nécessaire. Vous, améliorez un petit coup. Alors, calmons-nous. J'ai fait l'anti-aérien. Est-ce que je peux continuer les piou-piou? Pas trop tout de suite. Ouais, je vais faire les compagnies du génie. Ça va m'être utile. Fiabilité, c'est bien. Attaque lourde, attaque légère, c'est bien. Le fait que l'artillerie... l'artillerie anti-aérienne obtienne un petit peu d'attaque légère, c'est pas mal. On va partir là-dessus. En attendant, les Russes m'attaquent pas. Peu étonné. Bon, ça m'arrange qu'il m'attaque pas, mais bizarre quand même. Ok, j'ai pas mal de population maintenant, c'est bon ça. Très très bon. Toi, est-ce que je viens pas te débloquer un truc qui permet de faire des trucs mieux chez toi, non? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir débloqué un truc plus efficace, non. Tourelle pour mitrailleuse lourde, non, je vais pas garder. Ok, on est pas mal là. Mais les Russes m'attaquent pas du coup. Et où mes gardes d'hiver? On est déjà en septembre 39, ils m'attaquent pas. Non, ça je suis large, on va passer au... Normalement, la Russie est censée m'attaquer. Pays-Bas a rejoint allié, le Reich allemand a déclaré la guerre aux Pays-Bas. On va essayer ça. Je sais pas ce que ça fait, mais on va essayer ça. Ah voilà, l'Union soviétique revendique la Carélie. Qu'ils viennent s'ils ont le courage. Enfin, on va rentrer en guerre, parfait. C'est pas trop tôt. Ouais, j'avoue que lui, ce petit monsieur, il pourrait commencer à tracer une petite ligne. Il faudrait que je subdivise en fait pour que ce soit mieux, mais bon. D'ailleurs, ça se déploie là ou... Bon, déjà parce que ça m'énerve, on va... vous, là, vous vous déployez sur ce monsieur. Il aura sur ce monsieur. Bon, supposons que ça le fait. Par contre, ça met du temps à déployer. Bon, c'est entraînement. Normalement, la Russie devrait me déclarer la guerre. Le gouvernement danois refuse de démissionner. Le prochain doit être refusé par ses obstinés danois. C'est-à-dire que le gouvernement réel finalement enfin, permet de se retrouver sur le pays. Les limites d'avantage sont en cause. Ouais, non. On va éviter parce que là, je vais me prendre une guerre dans la guerre. Ah, voilà. C'est bon. Les Russes arrivent. Plus de population recrutable. Ok, ça commence pas ouf. En même temps, j'ai qu'une seule armée ici, ils m'attaquent de tous les côtés. On plein sur un dépôt. Je vais prendre une unité qui est là, vous allez aller là. Vite. Et ensuite, les avions. Les avions, vous mettez tous en ça ou ça, selon ce que vous avez. Et ouais, là. Du coup, vous pouvez pas aller beaucoup plus loin, donc ça va être là. Escadrille sans mission, qui es-tu? Pourquoi as-tu aucune mission? Attaque en mer, ouais, j'ai moyen. Et c'est tout bon. Ok, maintenant on va jouer doucement du coup. Ah, non. Nous devons préparer nos défenses, ouais. Est-ce que je peux voir leur armée ou pas? Ouais, ça se passe mal parce qu'ils sont plusieurs et qu'ils ont une supériorité aérienne et que j'ai une défense. Oh non, j'ai une super défense, c'est moi ça. Ils ont une effet tout pourri donc normalement ça va le faire, je pense.
achète. Hein. Non, ça va, mes unités tiennent. Hein, en fait. Par contre, où est les bateaux? Il va y avoir des sous-marins. Les sous-marins, vous allez me faire des petites attaques de convoi par-ci, par-là. Hein. Ah oui, il faut quelqu'un. Que ça fait vitesse des flottes faisant retrait, coordination de la flotte. Lui, au moins, il peut avoir un autre trait, du coup, hop. Voilà. Et il faudrait que le reste de mes troupes, lui. Ou je vais vous mettre en protection de convoi, escorte de convoi. Voilà. Ta priorité, c'est de prendre Leningrad, comme ça, ça mettra fin à la guerre et tu gagneras du territoire. Ouais, mais j'ai pas envie de prendre que Leningrad. C'est un peu ça, le que truc. C'est que j'aimerais bien prendre plus que Leningrad. 1, 2, 3, 4... Ah oui, je me suis pas occupé de ça, bien. Capture en faisant. Est-ce que j'ai envie qu'ils rentrent en guerre maintenant? Parce qu'ils sont assez fragiles. Les Russes sont plus puissants qu'eux, je pense. Donc, à mon avis, tout de suite, c'est pas le bon plan. Peu importe ce que tu penses, ça changera le territoire que tu gagnes, il me semble. Je pense que ça change un peu. En fait, attends. Ça va être dans les décisions. Non, défense de la nation, c'est pas ça. Proposer aux soviétiques de négocier la paix, contrôle l'État. Alors, aussitôt, les ménages en France proposent une question de paix sur la société. Une paix blanche. Mais si j'ai ça en plus, je pourrais demander ça en plus. Mais du coup, non. Ce sera juste une paix blanche. En tout de suite, je peux pas, de toute façon. Il faut que j'ai l'avantage. Donc ça, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Je vais avoir un problème de pétrole, c'est la marine qui coûte. C'est la marine qui protège les convois. Faut que tu aies l'avantage et l'ignorant. Oui. Mais pour l'instant, c'est pas trop d'actu. Oula. Je vais pas appeler eux en guerre tout de suite, je pourrais peut-être les appeler plus tard. Non, c'est bon, j'ai un retranchement extrêmement important, il n'y a aucune chance qu'ils me percent. Cupide sur un logistique en plus, ouais non, il n'y a aucune chance qu'ils percent. Ce que j'ai besoin par contre, c'est de ce cher monsieur là. Je pense pas qu'il sera capable de percer. Il y a quand même... La crise était grave. Est-ce que je peux en faire un truc un peu plus important que juste... Oh, je pourrais l'encercler. Ouais, non, quand même, cette troupe. J'aurais été d'accord avec toi s'il y avait un peu moins de troupes, mais là, quand même, cette troupe, c'est... Faut que mes troupes deviennent un peu meilleures. Par contre, il me faut encore un gars. Il faudrait que je puisse faire genre claque. Est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Ouais, ils sont que 6 quand même. Vas-y, lance l'ordre d'assaut juste pour voir la gueule que ça rend. Ok, eux ils défendent, y'a pas de sujet. Eux ils avancent, y'a pas de sujet non plus. Ok, eux attaquent en même temps, eux attaquent par le haut, eux ils se déplacent pour prendre le territoire. Ok, c'est pas mal. Ok, j'ai réussi à coller des convois, excellent. Ok, ça se passe bien là.
il y a une troupe sur la case de côté. En effet, attends, on va y aller doucement. Est-ce que toi, tu peux te dire d'aller là? Ouais. Lui peut aller là. Ça peut s'encercler. Ça peut s'encercler, mais il faudrait que ce monsieur ait un peu plus de troupes. Et là, actuellement, ça a du mal, hein, ça a du mal. On va te lâcher. Peut-être lui en prendre genre 1, 2. Non. Il faut des. Ouais, non, c'est... je risque d'avoir un front ouvert à un endroit si je fais ça quand même. Ok, vous. Comment je peux vous dire de stopper votre attaque Ça? Ouais, non, ils vont faire. Ils vont faire ça en permanence. Non, vas-y en fait. Juste le temps de les piner, qu'ils n'avancent pas. Ok, pas mal. Ok. Empêche-les. Ok, excellent. Eux décident de se mettre là, vous. On va attaquer là, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Merde. J'ai changé son goût. Merde. Et doucement, tant que ça passe, mais... Et doucement, quoi. Je peux peut-être prendre ici, j'ai peut-être trop d'hommes que je pourrais confier à quelqu'un d'autre. Efficacité des missions, je fais rien, très bien. J'arrive à choper ça, c'est assez propre quoi. Ouais. Je vais peut-être leur dire d'avancer là, plutôt. Ouais mais non. Ouais non, ils sont trois quand même. Il faut quand même qu'ils défendent ici. Qu'ils se retranchent un peu, qu'ils défendent. Ok, c'est chaud. Alors, qu'est-ce que je suis en manque de quoi? Ouais, je sais, pétrole, c'est l'enfer, c'est la marine, ça. Tiens, ouais. Les Américains. Même pas sûr que ça suffise. Ouais, ça suffit. Un soutien à gare absolument total. Décision, qu'est-ce que je peux prendre comme décision moi? Ok. Donc là normalement j'ai 5. Ouais, du coup je vais avoir un agent qui va arriver. Préparatif à un gouvernement de collaboration. Hop. Attends. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Gain de productivité, 3%. Par contre, ouais, j'ai bien associé un groupe industriel. Oui, oui, oui. Ok, récupération et réparation, ça c'est excellent. On va pouvoir encore améliorer notre bonhomme. Cellule clandestine, non. Jäger finlandais, c'est bien. C'est toujours bien aussi. Quel truc ici là que je peux faire endoctriner les travailleurs. C'est un peu cher ça. En télétat intellectuel, ça c'est bien ça. Est-ce qu'il y a des trucs ici que je peux faire? Ouais. Ouais, j'ai besoin de stabilité. Ouais, j'ai besoin de stabilité. Ouais, l'offensive se passe, hein. Soutien à guerre, soutien à guerre. Ouais. Devenir encore plus dangereux. Toi attaque là. Toi attaque là. Ok, ça. Gucci.
Que j'améliore mes infanteries. Où est-ce que j'améliore ça? Ah, je pense. Hop là. Ok, la productivité sur les pions, ça va le faire. Le soutien, ça va. Et Kamatar, ça va. Matériel, et est-ce que je peux en acheter pour pas faire ça? Ok, ça va le faire. On est combien en termes de tuerie là? Une soviétique 65k, fin blanche 5k. Ouf. Ça piquante un peu. J'ai tous là. Ils y ont tous. Là, ils tentent de coller mon convoi, ils sont. De gauche, je pense qu'ils sont en train de tenter des invasions navales. Et là, c'est pas mal, c'est juste au long. Pas mal. Lui, il en a assez, du coup, toi, tu vas prendre. Voilà. Ce monsieur. Il a besoin d'hommes. Et. Tant que j'y suis, 29% la mort blanche. Excellent. Est-ce que j'attends? J'ai arrêté mon offensive, je pense. Pas vrai, ça devrait percer ça. Il ne reste plus qu'une unité. À mon avis, ça peut le faire. Voilà. Alors, nous devons mettre en valeur. Ouais, j'aime bien ça, je préfère ça. Plus 12 000 d'effectifs en plus, j'achète. Des piou-piou. Et. La division non affectée. Ici. Bonjour. Défense du territoire. Et là. Infanterie nota, attaque légère. Consommation du ravitaillement. Tout ça, c'est excellent. Et on a encore coulé des sous-marins russes. Et là, ça défend. Est-ce que je peux tenter une attaque? Après, c'est vrai que j'aurais pu faire un effort et me rajouter au moins une ligne. J'aurais au moins pu faire cet effort. Je n'ai pas fait. Ouais, combien? C'est bon, ça passe. J'ai pas du tout l'avantage aérien. Ici. Ah, il me faudrait encore un secteur. C'est très bon ça. Tu vas revenir ici et donc ça préparé 493 jours. Non, je vais attendre d'avoir le mec super fort en mortier. Regarde, ça c'est chiant, c'est mes convois ça. Carburant, j'en gagne 1,9 et la marine en consomme 4 sur 5. Plus grande vitesse de planification, le retranchement, tout ça c'est excellent. Avion. Et tant que j'y suis, je dois pouvoir sûrement sortir de nouveau là. Bah oui, et hop. Ici, il y a des armées ici.
ça. Ouais. Je devrais peut-être prendre un petit peu de ceux qui sont là et les mettre ici. Voilà. Bon. Plus rien, ça passe. Lui. Il est... Oh putain, il est mal. Ok. Yep. Voilà. Ça devrait me remettre bien. Même si je voulais l'expert en artillerie, ça me met mieux. Toujours plus de... Camtar, je pense que ça sert. Je peux éventuellement changer mes divisions, enlever le camion, même s'il est très, très utile. La reconnaissance est bien. C'est pas mal. Ça demande beaucoup moins de camions. Alors beaucoup. Allez. Et du coup moins d'essence. Et comment là ? 13K, 180. Oh putain. C'est du 1 pour 10. L'huile. Il est quasiment à fond. On va en prendre 2 toi. Allez chez lui là. Oui, ça peut le faire, ils ont vraiment aucun raté tellement les Russes. Moi j'ai une bonne logistique, du coup ça se passe nickel. Je pense que je, une fois que les autres sont arrivés, qu'ils ont pris un petit peu de bonus de planification, c'est évité. Ah, Union Nationale, ça c'était pas mal. Et moteur niveau 3, ça c'est très bien. Alors, compagnie de soutien, plus 10, organisation plus 10, P plus 5, ça c'est pas mal ça. Ah, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Donc quoi, ouais, peuple estonien. Évidemment, la Finlande blanche propose une fiation de nos pays sur intégrer une faction ou être annexée par la Finlande blanche. Je vais essayer. Pourquoi pas. Chope estonien. Royal. Ouais, je vais faire la compagnie de maintenance à la place des Kentars, c'est ça qu'il fallait. Vitesse mag agité. C'est mieux. Pour s'en sortir face à l'aviation adverse. Une bonne aviation là. Très bonne aviation. Par contre, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai des petits soucis. Ok, toutes les troupes sont arrivées, je vais attendre que tout ce beau monde se ravitaille bien, et après, je vais lancer un assaut. Non, les flingues ont la terre de soutien, ont l'artillerie, ont l'aviation, les problèmes. Compagnie O. Ok, ça veut dire que je peux améliorer le reste. Consommation de carburant. Je prends. Réussis à t'attaquer à la région d'Estonie quand tu auras annexé. Oui. Oui, bon. Estonie, c'est où? C'est là? Il faut un petit bonshomme qui défend. Mais après, si je chope l'Estonie, j'aurai les armées estoniennes. Un petit bonshomme. Ah ouais, pardon. Ouais, lance l'opération. Ça prend combien de temps d'ailleurs à annexer l'Estonie? On va vouloir combien de temps. On va voir une fois que c'est fait si je me mets trop dans la merde. De toute façon, j'ai toutes les troupes que j'aurais gagnées ici, je vais réaffecter, je vais mettre d'autres unités, etc. Je vais réussir à me démerder. Ah, le dôme là qui arrive quand même.
ajouter une unité en vrai. Oh, j'ai le matériel, j'ai beaucoup de choses en vrai, c'est pas un problème. C'est toujours les avions. Peut-être le moment de faire une petite cellule d'appui aérien. Attends quoi? On va attendre la petite cellule améliorée, mais... Attends quoi? Ah oui, non, ils sont tous les deux partis. On va faire gaffe au nord. Est-ce que je peux retenter un assaut? Je pense qu'il y a moyen de retenter un assaut. Je vais aller des convois, merde. Et lui, déjà... expert des guerres. Et... Bon, on va mettre ça à fond. On est tranquille. Je vais attendre mon expert de l'artillerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est censé défendre les cons. Il défendait pas. Il a pas assez d'hommes, le con. Je pourrais me permettre un petit. Voilà. On va avoir largement assez d'hommes. Et attaque de nuit. Voilà. Ça, c'est ce qui me manquait pour faire une attaque là. Lui. Non, c'est pas là que je te veux. C'est. Ah. Ouais, on va faire ça plutôt. Guerriero. Tout pareil. On peut savoir qui c'est que ça, qui m'attaque. Ok. La petite cellule améliorée, c'est pas mal. Ah putain, mais oui, j'avais pas pris les bombes. Je m'étonne que je puisse pas faire des appuis derrière non plus. On a tout ce qu'il faut. Attends, toi. Petite cellule améliorée, du coup. On repart sur mitrailleuse lourde. Mitrailleuse lourde, on va déjà voir ce que ça fait avec ça. Le moteur de niveau 3. Une petite radio. Et il faut au moins. Un réservoir autopilon. Ah, ouais, c'est ça qui faut du caoutchouc. Et est-ce que je peux m'ajouter du plantage? Non, poids de 2. Ou ce sera juste une toile. Poids de 1. Poids de 1. Voilà. Ça devrait largement suffire. J'ai pas encore mon petit tank. C'est bon ça. Défense aérienne 18, attaque aérienne 37. C'est lui. Enfin, je l'ai lourde, hein. Oui, il est très lourd. Ok, c'est bon. Oh, j'ai cher. Ok, juste attends. L'épisode est un peu long, je vais attendre quand même de voir ce qui se passe avec l'Estonie, ça m'intéresse. J'ai jamais vu jusqu'à cet événement. Combien de temps? 70, lui. Pas chaud pour attaquer. Ok, parfait. Vous avez réussi à défendre, bien joué. Ok, qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que je peux améliorer mes radars? Non. J'ai déjà une bonne défense antiaérienne, du coup.
On va peut-être améliorer les infrastructures un peu partout. Ou construire. Est-ce que je peux construire chez toi pour te réduire ton indépendance, tiens. Tony rejette notre proposition. Dommage. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça donne? Plus de population recrutable. Estonie n'existe pas. Peut-être pas besoin de ça tout de suite. Par contre, j'aimerais bien améliorer mon armée. Est-ce que je peux améliorer ça? Putain, je vais faire ça. Agrandir. Putain, c'est excellent. Allez, vas-y, on. La guerre est très bon. Lui, il est aimé. Encore amélioré. Écoutez, j'ai envie d'avoir le mec super bon là. Lui là. Génie de l'artillerie. Ils sont trop nombreux aussi. Oui, merde. Vous allez encore là. Je vais niquer les convois partout. Qu'est-ce que je peux faire? Pour attirer, je fais chercher, je cherche la réaction en Lettonie. Oh. Ok, ça fait ça. Ajouter un emplacement de construction. Soutien à la guerre. Ajoute... Oh. Protecteur à l'eau, pensant, toi, gain d'expérience terrestre, soutien quotidien pour pratique. Diversifier les forces d'élite. Ajoute une spécialité pour toutes les forces. Oh! La guerre est bon, ce qu'il me faut, c'est de la stabilité. Ouais, merde! Putain, pourquoi j'ai pas juste attendu que l'autre finisse son truc? Ok, compagnie de maintenance, c'est bien ça. Et on augmente les hôpitaux. Et du coup, pour finir, toi, on va enlever ça. On va enlever qui? Qu'est-ce que je voulais? Oh, c'était ça que je voulais mettre à la place, une compagnie de maintenance. Moins de mouvement, mais taux de capture de matériel, c'est très bon. Est-ce que je peux mettre une autre petite artillerie, là, tant que j'y suis. Et une autre petite infanterie, là, tant que j'y suis. Ça me demande quoi? Les pupus, c'est bon. Non, les hommes, c'est bon. Matériel d'infanterie, c'est bon. L'artillerie tractée, ça va. Matériel de soutien, c'est bon. Hop. C'est vous qui avez besoin de ça en priorité. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent, mes hommes, là? Capture. Voilà. Calme-nous quand même. Toi, coût de production, moins 5%, c'est déjà pris. Percé, non. Percé. Production, moins 3%. Comment j'ai déjà pris ça? Bon, allez. On améliore le sissu. Et tiens au sol plus 100%. Ah, j'ai pas envie de m'arrêter.
illusoire ce que font les bases aériennes, parce que si je peux mettre des avions en or, c'est excellent. Améliorer nos compagnies. Parce que là, mes avions, ils aident que ici. Il y a mieux à faire, quoi. Genre là. Là où je vais attaquer. There was a German manager which was seen because the captain just told me. Très bien. J'ignorais de savoir comment ça se passe le reste du monde. Là, oui, c'est bon. Le Reich allemand. Quoi? Itch. Merde. Maintenant c'est l'Allemagne qui vient m'emmerder. Ah oui. Eh ben on va voir comment ça se passe. Merde. Ah c'est con ça. Ah c'est con ça. Ah mais merde. Bah tiens, je vais produire des appuis aériens, tiens, pour finir. Alors, petite cellule améliorée, on va y rajouter des armements. Petit tout à bombe. Petit tout à bombe. Et. Ouais, support de bombe. Moteur de niveau 3. Et électronique, pareil, radio-navigation. Posant réservoir auto. Est-ce que je peux faire ça plutôt? On a une grosse défense aérienne avec eux. Toile défensive. On va faire ça. Et pourquoi pas? Le poids excède la poussée. Je ne veux que ça. Ah merde. On va enlever ça. Cellule AAR. Il va se retrouver là. Et du coup, on va retirer un peu de des autres, on va mettre chez eux. Et là, il va me faire beaucoup plus de vie. Et je me fais taxer tous mes convois. Est-ce que l'Allemagne pourrait s'attaquer à la Russie? Ou est-ce de venir m'emmerder? Ok, pas mal. Alors, il va falloir des hommes très efficaces là. Donc, on va peut-être prendre les Jäger finlandais. J'aime bien ça. Et en plus, ça prend pas de temps. Bah, évidemment, maintenant, c'est. Non, c'est pour les. Okay. Ok. Ok, bon, ça va. C'est précaire. C'est très précaire. Oh merde, parce que je vais perdre des trucs ici. Et maintenant il y a Harmonie. Bon. Et la Belgique. Bon. Je vais faire plutôt ça. Non, ça. Et ouais, ça va être cool. Est-ce que je réaméliore encore mes nœuds logistiques? Pas con, peut-être un petit peu.
upgrade tout ça d'un coup. Hop. Et je devrais peut-être rajouter d'ailleurs des rails d'ici à ici. Encore un là. Et un petit là. Voilà. Les rails, de toute façon, ça se fait en deux. Du jour. Ça devrait aider le front à ce niveau-là. Est-ce que je peux mettre lui en priorité plutôt? Ouais, du coup, s'il capitule, il m'attaque. Putain. Putain. Putain de merde. Les Allemands. Les Allemands. Merde, bon. On verra ça pour la prochaine fois, parce que là ça fait déjà 46 minutes. Merci à tous d'avoir regardé, je vous dis tu vas tousser, à la prochaine.